en allumant la deuxième bougie de l'avant. Nous n'avons qu'une espérance, celle que tu nous as offerte, pour tenir bon et garder patience. Pour ce jour qui se lève, pour les rencontres et les regards croisés qui vont arriver, nous te rendons grâce, Seigneur. Pour les inattendus qui forgeront ce jour, pour la douceur de ton amour, merci. Permets qu'au moment où nous te prions, ta grâce s'étende à tous ceux qui te cherchent, te louent, t'implorent. Amen. Frères et sœurs, grâce et paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Et puisque vos micros sont coupés, je vous propose de chanter. Vous pouvez chanter tranquillement devant votre ordinateur avec nos musiciens de Versailles. Il nous guide chaque jour. Confessions nos péchés. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront nos chemins. Amen. Annonce du pardon. Avec le psaume 85, nous recevons l'assurance de notre pardon. Et nous entendons comment Dieu veut être servi.
Tu as été favorable à ton pays, Seigneur. Tu as rétabli la situation de Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as ramené toute ta fureur. Tu es revenu de ta colère ardente. Ramène-nous, Dieu de notre salut. Cesse d'être contrarié à notre sujet. Seras-tu toujours en colère contre nous? Conserveras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur, car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles. Mais qu'il ne retourne pas à la stupidité. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La fidélité et la loyauté se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin.
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Père, nous voici à l'écoute de ta parole. Mets-en-nous l'impatience des prophètes et la ferveur des psalmistes. Voici nos cœurs en attente, voici nos vies en partance. Que ta parole nous prépare à la rencontre. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême, dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir, autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son. Qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie. Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour que notre Dieu, pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un dit, crie, on répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Thank you.
Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Mais avant cela, je voulais m'arrêter sur un verset qui est compliqué de ce texte. Jérusalem a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quand je pense à Dieu, quand je lis la Bible pour éclairer la situation actuelle, l'idée d'un châtiment, d'une punition, d'une expression de la colère de Dieu surgit régulièrement. Or, ma foi au Dieu de Jésus-Christ, au Seigneur de miséricorde, me fait rejeter cette idée d'un Dieu punisseur. Et je la rejette d'autant plus facilement qu'en fait, certains des textes bibliques qui semblent présenter les grandes catastrophes comme des punitions envoyées par Dieu s'opposent eux aussi à cette image. Très souvent, nous lisons ces textes en nous disant « Ah, c'est choquant quand même, on a un Dieu qui punit », sans nous rendre compte que le texte lui-même dit que c'est effectivement choquant l'idée, l'image d'un Dieu qui punit. Et ici, nous en avons un exemple frappant. Jérusalem a reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait. Alors Dieu frapperait deux fois trop fort, aveuglément, et il le reconnaîtrait ensuite tranquillement. Oups, j'y suis allé deux fois trop fort. Bon, bah désolé, je vais m'arrêter du coup. Dieu agirait comme les compagnies de gaz, d'électricité, les compagnies des eaux. On perçoit d'un bloc et puis après on rembourse le trop perçu. Sauf que dans le cas d'une punition, d'une catastrophe, c'est un peu dur de rembourser le trop perçu. Ésaïe nous en offre un exemple remarquable, mais en fait, bien des textes qui nous parlent du Dieu qui frappe disent « assez », disent « c'est trop ». Et donc, ils partagent notre indignation, notre refus de cette image d'un Dieu punisseur. Entrons maintenant dans le cœur du texte. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Voilà le projet. Et de cet appel à la consolation découle un étrange dialogue. Parce que l'hébreu ne met pas de guillemets, il ne dit pas toujours qui parle. C'est parfois au lecteur de redécouper le dialogue, et voilà comment j'entends ce dialogue. Quelqu'un dit « crie ». On répond « mais que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. » Oui, vraiment, le peuple est de l'herbe, l'herbe se dessèche, la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Et je crois que, comme le prophète, nous pouvons dire « que crierai-je ? Qu'annoncerons-nous ? » Parce que ce n'est pas facile de consoler quelqu'un. Ce n'est pas facile de consoler un peuple. On se sent toujours très impuissant. On a l'impression que celles et ceux qui nous écoutent, mais notre propre chair est trop fragile, qu'on n'y arrivera pas. Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. Alors que crier ? À quoi bon crier ? Et c'est vrai que quand on est en situation de consoler quelqu'un, nos mots, nos gestes, nos silences nous paraissent d'autant plus dérisoires que la peine de la personne est grande. Saint-Exupéry écrivait « C'est si mystérieux, le pays des larmes ». Et pourtant, le texte nous appelle à être consolateurs, consolatrices. Le texte nous donne aussi quelques indications sur la manière de consoler. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Consoler, c'est d'abord prendre la plainte, le ressenti de celui, de celle qui pleure au sérieux. C'est même éventuellement l'aider à mettre des mots sur sa plainte. Mais c'est ne surtout pas chercher à modérer le propos. Regardez là. Oui, Dieu le dit. Si Jérusalem a l'impression d'avoir subi le double de tout ce qu'elle méritait, eh bien Dieu le dit lui-même. Oui, elle a reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait. Si le prophète dit « Mais
À quoi bon crier, toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs? Eh bien oui, le Seigneur répond, effectivement, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane. On remet des mots sur cette plainte, mais on ne cherche pas à la modérer, on ne cherche pas à l'atténuer. On ne cherche pas à dire, ah non, mais le peuple, il est quand même mieux que ça. Ou dire, mais non, t'as pas subi tant que ça. Non, on prend la plainte au sérieux. C'est rien. Tout ne va pas si mal. Tu exagères. D'autres sont plus malheureux que toi. Tu as ta part de responsabilité. Ou bien, ah mais alors moi c'est pire, parce que si tu savais, tout ça, ce ne sont pas des formules de consolation. Ça peut être de l'exhortation, ça peut être de l'admonestation fraternelle, de l'encouragement, et c'est parfois légitime et nécessaire à dire, mais ça n'est pas de la consolation. Pour consoler quelqu'un, il faut prendre son ressenti comme un fait. Si Jérusalem a l'impression d'être frappée double, eh bien par la bouche du prophète, Dieu dira qu'elle a été frappée double. Si celui qui pleure a l'impression que tout le mal lui tombe dessus, eh bien quand nous le consolons, nous devons lui dire d'abord, oui, c'est vrai, tout le mal te tombe dessus. Quelqu'un crie dans le désert, frayé le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. La consolation, ça prend du temps. Encore aujourd'hui, abaisser une montagne ou relever une vallée, ça ne se fait pas en un jour. Alors à l'époque d'Ésaïe, je vous laisse imaginer. D'ailleurs, dans un autre récit célèbre de malheur et de consolation, le livre de Job, les amis de Job, qui sont pourtant de très très mauvais consolateurs, hein. Et pourtant, eux, quand ils viennent voir Job dans sa peine, dans sa plainte, ils s'arrêtent et ils passent quelques jours à pleurer avec lui. La consolation demande du temps. Oui, consoler ne se fait pas simplement. C'est en fait de gros travaux. C'est en fait, oui, un travail de terrassement, un travail d'aménagement de terrain. Et donc, quel but? Pourquoi consoler? Et d'ailleurs, même indépendamment de cette réflexion sur la consolation, je me suis toujours demandé pourquoi il fallait préparer la route au Seigneur. Il n'est pas assez grand pour venir tout seul? Parce que généralement, les montagnes abaissées, les vallées comblées, les déserts qui refleurissent, c'est plutôt sa partie que la nôtre. C'est plutôt son travail à lui. La théophanie, l'apparition de Dieu, quand toutes les montagnes s'effondrent, c'est lui qui le fait, c'est pas nous. Alors pourquoi nous? Sommes-nous appelés à préparer le chemin du Seigneur? Eh bien, le texte le dit. Alors, la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. Oui, le texte répond. On n'abaisse pas les montagnes, on n'élève pas les vallées pour que le Seigneur puisse passer. On abaisse les montagnes, on élève les vallées pour que tous le voient venir. Et c'est le but de la consolation. Cheminer avec celles et ceux qui pleurent pour leur permettre de voir au-delà de leur malheur. Et je le redis, pour leur permettre de voir au-delà de leur malheur, il faut voir avec eux la réalité de leur malheur. Il faut vivre avec eux la réalité de leur ressenti. Il faut prendre le temps. Mais en prenant ce temps, en prenant au sérieux cette plainte, en prenant le temps, on peut arriver à ce cheminement, voir ensemble, plus loin que le malheur. D'ailleurs, n'est-ce pas une grande consolation que de contempler un lever du soleil, la gloire du Seigneur se dévoilera, un beau paysage entouré par des gens qui nous aiment. Je trouve que c'est souvent une très belle consolation, un très beau moment qu'on vit ensemble. Consoler. Consoler mon peuple. C'est un pluriel. La consolation devient œuvre collective. Déjà, pour tout ce travail, Dieu ne nous envoie pas seul. Et puis, il le dit. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Sion, c'est la montagne du temple. Jérusalem, c'est la ville qui entoure le temple. Puis, toutes les villes autour. La consolation se répand, elle se propage. Alors déjà, il y a une évidence. Quand on est consolé,
on peut devenir consolateur à son tour. Mais je crois que le texte va plus loin. Il nous dit qu'il n'est pas nécessaire d'être consolé ou de ne pas être dans la peine pour être consolateur. On peut devenir consolateur même quand on a du chagrin. On peut devenir consolateur même quand soi-même on a mal. D'ailleurs, on voit bien que le prophète lui-même est un peu désespéré. Et la réponse de Dieu nous dit que la consolation peut être mutuelle, réciproque. C'est d'ailleurs ce que vivent les familles qui sont dans le deuil. On se console les uns les autres. On se console en consolant les autres. Et frères et sœurs, c'est à cette consolation que nous sommes appelés. Il est bon que nous entendions ce texte aujourd'hui, car nous étions un peu perdus ces temps-ci. Nous ne savions plus très bien quelle était notre place face à cette épidémie. Nous avons pleuré sur nos fêtes gâchées. Nous nous sommes mis en ordre de marche. Nous avons établi des chaînes téléphoniques. Nous avons appris à faire de la vidéo et des cultes Zoom. Nous avons enregistré des chants. Nous avons tendu des câbles, compté des chaises. Et tout cela est juste et normal. Mais maintenant vient le temps d'une nouvelle mission. Et réjouissons-nous, car nous avons un rôle à jouer. Nous nous sentons aussi faibles que l'herbe, fragiles comme la fleur des champs. Et voilà que Dieu fait de nous des consolateurs de son peuple. Son peuple, j'en suis convaincu, ce n'est pas seulement l'Église, ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est l'humanité tout entière. Vous savez qu'Ésaïe, vous ne le savez pas, mais Ésaïe est le prophète qui a étendu Israël aux nations, qui a dit le salut d'Israël, c'est le salut pour toutes les nations. Et bien là, je crois que nous devons entendre ce texte en disant le peuple de Dieu, son patrimoine, c'est l'humanité tout entière. C'est l'humanité tout entière que nous sommes appelés à consoler. Réjouissons-nous, car Dieu nous laisse libres des moyens dont nous serons consolateurs. Par nos paroles, par nos actes, par une présence silencieuse et écoutante, ça c'est nous qui choisirons, en fonction de nos capacités, en fonction des dons que nous avons reçus. Le texte ne nous dit pas comment techniquement il faut consoler. Il nous dit « prenez la plainte au sérieux », il nous dit « prenez le temps ». Mais il ne nous dit pas « voilà comment vous devez faire ». Ça, c'est nous qui, selon les situations, verrons. Réjouissons-nous, car cette liberté-là nous est donnée. Soyons sans peur, car Dieu nous appelle à élever les vallées, à faire monter les plus petits, à les faire passer devant. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Et pour le Nancéen que je suis, la Saint-Nicolas, ça évoque les grands défilés de la Saint-Nicolas. Et c'est le moment où, enfant, on apprenait que les plus petits devaient passer devant. Et qu'on apprenait qu'on avait grandi quand on nous disait « Non, toi maintenant, tu ne passes plus devant. » Et voilà, faire passer les plus petits devant, c'est notre rôle aujourd'hui. Et peut-être aussi abaisser les montagnes, demander aux grands, demander aux importants de passer derrière, de se baisser pour que tous puissent voir, parce que c'est ça le but, que tous puissent voir la venue de notre Seigneur. Cela prendra du temps sans doute, mais réjouissons-nous à présent, car dès maintenant, nous rentrons dans cette fête. Oui, réjouissons-nous car nous recevons pour nous-mêmes cette bonne nouvelle dont nous devenons porteurs. Votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Qu'est-ce que c'est que ce salaire? Qu'est-ce que c'est que cette rétribution? Eh bien, comme un berger, il fera paître son troupeau et il aura soin de tous, de son bras. Il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Frères et sœurs, réjouissons-nous, car nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Notre Dieu est là et il vient. Amen. Thank you.
Les hommes. Je vous invite maintenant tous à rallumer vos caméras, celles et ceux qui peuvent, pas vos micros, parce qu'on va avoir un temps de confession de foi. Et que, voilà, mais je trouve que c'est nous qui déclarons, qui affirmons notre foi. Donc, toutes celles et ceux qui acceptent, qui veulent bien, merci de rallumer vos micros, de vos caméras, pardon, pas vos micros, justement. On se voit un peu les uns les autres. Nous qui formons l'Église. Rassemblés et éclairés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en toi, source de vie, qui enfante le monde et te manifeste de diverses manières au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Nous croyons en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, dans nos recherches spirituelles, dans nos remises en question, et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Nous croyons en toi, effusion de vie, qui épouse nos désirs de mutualité, de réciprocité, de communion, dans nos engagements de femmes, d'hommes et d'enfants. Nous croyons en toi qui suscite une ecclésia, une église, une assemblée, où femmes, hommes et enfants reçoivent, vivent et célèbrent librement leur foi. Amen. Et c'est maintenant le temps de l'offrande. Donc, un partage d'écran pour rappelez où est-ce que vous pouvez donner pour notre Église. Ça, c'est comme ça, vous avez le lien et vous savez sur quel bouton cliquer, mais je vous invite à la prière parce que l'offrande, c'est aussi un acte liturgique. Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous donnes tout. Et aujourd'hui, dans notre monde, tu nous appelles à être porteurs de consolation. Inspire-nous aujourd'hui le geste de l'offrande, d'une offrande qui soit pour toi, mais qui se tourne vers les plus démunis, les plus défavorisés. Une offrande de biens, d'argent, mais aussi l'offrande de notre travail, de nos compétences.
et aussi l'offrande de notre attention, de notre sourire, de notre affection, de notre tendresse. Suscite en nous des gestes d'offrande qui soient aussi des gestes de consolation. Amen. Donc, je le disais, ici, vous avez comment faire un don à la paroisse de Versailles, qui a effectivement besoin de nos dons. Vous pouvez aussi donner à votre église, si vous n'êtes pas de la paroisse de Versailles, bien sûr. Et n'oubliez pas non plus que l'entraide, le service d'entraide, va avoir besoin aussi de nos offrandes pour justement continuer sa mission et puis se porter, alors nous, tout particulièrement au secours de la mission populaire. Mais voilà, pensez que cette offrande, elle se décline de bien, bien des manières. Et puis aussi que dans la vie de tous les jours, un coup de fil passé à quelqu'un qui est isolé, un petit signe, c'est aussi un geste d'offrande. Et voilà le moment des annonces. Alors, on a plusieurs annonces. Tout d'abord, les talents vont vider leurs armoires. Ils n'ont pas pu se rassembler. Le talent, c'est le groupe de couture, d'activités manuelles, mais aussi on refait l'église tout en discutant pendant qu'on coupe, pendant qu'on fait toutes sortes d'activités. Bien sûr, d'habitude, elle nous offre toutes sortes de choses à acheter, toutes sortes de cadeaux. Cette année, ça n'a pas été possible, mais quand même, elles vont aller vider les armoires mardi, proposer des choses à la vente. Vous les trouverez sur le site mardi ou mercredi, avant de mettre les choses. Et l'idée, c'est de passer commande, de dire « moi, je voudrais ça ». Et puis, pendant nos fêtes de Noël, pendant le moment où on pourra se rassembler tous ensemble, on fera du « click and collect », comme on dit. C'est-à-dire que vous direz « j'ai commandé ça ». Je viens, je prends mon lot, il est préparé, je le paye, je ne discute pas, je dis à peine merci. Bon, je peux dire merci, mais pas beaucoup plus, pas plus d'ailleurs. Et on file pour que ça ne fasse pas un rassemblement. Vous voyez, vous comprenez l'idée, ça sera présent sur le site, vous le recevrez aussi par email, tout ce qu'elles ont à vous proposer. Je dis « il » parce que c'est un groupe de travail manuel, donc c'est un groupe exclusivement féminin, les hommes ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Toujours dans la même idée, je ne sais pas si Bernadette est là, si elle a réussi à nous rejoindre. Si c'est le cas, Bernadette, est-ce que tu peux rallumer ton micro et nous dire si tu as encore des calendriers à vendre, des calendriers de l'Avent? Bon, je ne sais pas. C'est pas grave. Arrive maintenant le gros morceau, nos calendriers, nos fêtes de Noël, notre calendrier un petit peu des cultes. Donc, nous avons pris la décision de ne pas reprendre les cultes aujourd'hui, comme ça nous aurait été possible, pour deux raisons. D'abord, parce que les médecins de nos paroissiens, parmi nos paroissiens, nous ont demandé d'être prudents et de veiller vraiment à ce que la reprise se passe dans les meilleures conditions. Et puis, parce que mardi soir, quand le conseil s'est réuni, nous n'avions toujours pas les règles exactes. Nous savons que les règles allaient pouvoir changer, mais nous ne savions pas encore ce qu'elles seraient. Et comme prévu, les nouvelles règles ne nous permettent pas d'accueillir tout le monde complètement, donc il nous faudrait mettre en place des services d'inscription. Donc c'était trop compliqué à faire pour ce dimanche, on a dit on va rester sur un culte en commun. Dimanche prochain, ça devait être la fête de notre paroisse, et là de nouveau, ça aurait été un crève-cœur de choisir parmi les familles, parmi les enfants, qui pouvait venir et ne pas venir. Ruthani, avec les catéchètes, avec les enfants, avait déjà préparé un culte vidéo. On a dit, bon, reste sur cette idée-là. Et donc, dimanche prochain, vous aurez un culte vidéo. Et le 20 décembre, le 20 décembre, nous rassemblons au temple. Je dis bien au temple. Il était prévu, contrairement au courrier, on avait prévu que ce soit au centre 8. Les nouvelles règles, d'une part, nous permettent de nous rassembler au temple avec inscription obligatoire, avec tout ce qu'il faut. Ça on vous mettra au courant, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais nous nous rassemblerons au temple à 10h30 le dimanche 20 décembre, et puis ça a l'avantage de ne pas obliger nos frères et sœurs évangéliques à déplacer leur calendrier de culte eux-mêmes pour nous laisser de la place, ce qui aurait été désagréable un peu pour tout le monde. Donc 20 décembre au temple avec inscription obligatoire. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes parce que nous voulons donner la priorité à celles et ceux qui n'ont pas Internet, qui ne peuvent pas suivre un culte à distance et qui donc, presque par définition, ne peuvent pas s'inscrire non plus sur Internet. Donc, il nous faudra aller les chercher, voir s'ils veulent venir, pour pouvoir les inscrire, et ensuite, nous ouvrirons
les inscriptions sur Internet. Voilà pourquoi ça nous prend un peu de temps, mais comme c'est pour le 20 décembre, on a le temps. Les fêtes de Noël. Là, le 24 et le 25, tout se passera au Centre 8. Vous avez vu que nous avons proposé deux veillées de Noël le 24 décembre, une à 18h et une à 20h. Là aussi, ça sera au Centre 8 sur inscription obligatoire. Et puis, un culte le 25 à 10h30 au Centre 8, inscription obligatoire. Une des deux veillées et le culte seront filmés et retransmis en direct. Bien sûr, nous craignons de ne pas avoir assez de place pour tout le monde, même comme ça. Alors, bien sûr, vous choisissez une des deux veillées ou le culte de Noël. Vous inscrivez pas à deux choses en même temps, sauf si vous êtes sollicité pour deux choses en même temps, parce que vous êtes musicien, parce que vous êtes caméraman, voilà. Voilà un petit peu. Donc là, il faudra faire un choix. On ne pourra pas tous être là en même temps, il faut qu'on puisse laisser de la place à tout le monde. Et nous aurons besoin d'équipes pour accueillir, parce qu'il nous faudra placer les gens, parce qu'il nous faudra, j'espère que non, mais peut-être dire, on est désolé, vous ne vous étiez pas inscrit et nous n'avons plus de place. C'est le risque, c'est pour ça que vraiment je vous demande d'être très très vigilant à vous inscrire pour être sûr. Et là, il nous faudra du monde, des gens qui soient conscients des règles à faire respecter, qui sachent être à la fois fermes et diplomates. Donc, merci vraiment de nous signaler en disant « je viendrai tel jour et je suis prêt à vous aider à faire l'équipe d'accueil ». Faire l'équipe d'accueil, ça veut aussi dire arriver une demi-heure avant le début du service. Je le précise parce que si vous arrivez après tout le monde, votre accueil aura été qu'assez moyennement efficace. Voilà, c'est à peu près clair pour tout le monde. On sera toujours preneur de vos remarques, de vos suggestions. Il y a juste un argument qu'on n'entendra pas parce qu'on l'a déjà beaucoup discuté. Nous avons décidé que nous ne souhaitions pas suivre l'exemple de nos frères et sœurs catholiques. Ça a été notre choix de conseil presbytéral. Donc, ce n'est pas la peine de nous dire que les catholiques font ça. On le sait. Nous, on ne le fait pas. Voilà. Ça arrive quelquefois aux protestants de dire ben, les catholiques font ça, mais nous pas. Là, c'est comme ça qu'on l'a pris. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous le dire. Enfin, vous pouvez, hein, mais pour le coup, ça tombera un peu dans l'oreille d'un sourd. Encore deux dates pour cette semaine. Vendredi soir, le gros Bible After Work devait avoir sa fête de Noël. On ne fera pas un temps de Noël, bien sûr, mais celles et ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre par Zoom. On enverra un lien et puis on aura un temps d'animation biblique et puis de discussion, de partage, d'échange. Et mardi a lieu le service d'action de grâce pour M. Bernard Despons, qui était un de nos paroissiens qu'on ne voyait pas, mais qui était un de nos paroissiens, qui était attaché à la paroisse. La règle des 30 personnes reste à notre connaissance la règle pour les services d'inhumation. Donc, si vous n'avez pas été convié par la famille pour venir, ne venez pas parce qu'ils sont déjà 30. Voilà. Mais n'hésitez pas à passer un coup de fil à Madame Despons, ça lui fera plaisir. Mais en tout cas, ne venez pas au service si vous n'avez pas été invité par la famille, parce que là, nous sommes tenus à 30 personnes encore. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ou qu'est-ce que j'ai oublié? N'hésitez pas à rebrancher votre micro et à prendre la parole, sinon je passe. Ah, je vois que Monsieur le Président... Non, il n'y a pas. Le culte du 27. Ah oui, le culte du 27, c'est vrai, merci Claire. Comme le culte du 20, le culte du 27 décembre aura lieu au Temple, à 10h30, dans les mêmes conditions, inscription obligatoire, etc. Eh bien, je vous propose de vous rassembler dans la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, et c'est pour ce monde que nous te prions. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont tellement besoin de consolation, pour celles et ceux qui ont peur, qui désespèrent. Nous te prions pour celles et ceux qui s'épuisent, qui s'irritent, qui sont en colère. Nous te prions pour celles et ceux qui ne savent plus très bien qui croire, qui écouter,
quel geste faire, quel protocole à appliquer. Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de nous rappeler que c'est dans la nuit, c'est dans la misère d'une étable, c'est dans la terreur d'un massacre que tu es venu au monde. Et qu'aujourd'hui encore, tout le mal de ce monde n'empêche pas que tu viens. Alors Père, que ton esprit nourrisse celles et ceux qui consolent, qu'il inspire des paroles de tendresse, des gestes d'amour, qu'il inspire des silences présents et écoutants, qu'il nous conduise sur le chemin des plus petits. Et comme Jésus nous l'a appris, nous disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, la promesse a été rappelée. La rencontre se dessine. Nous voici conviés à la fête prochaine. Lançons maintenant l'invitation aux enfants de la terre. Annonçons-leur. Il s'avance, celui qui est roi. Et il s'avance plein d'amour, plein de tendresse. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Thank you.